You made it! Waffe. Sie müssen wissen, was das heisst. Diese Waffe, die gehört hinein. Die dürfen Sie heimnehmen. Sie bekommen sogar noch Munition dazu. Und das ist eine Stärke unserer Armee. Dass in einem Ernstfall, ein paar Stunden, die ganze Schweizer Armee da steht, vollkommen bewaffnet. Aber diese Waffe hat nur einen Zweck, wenn sie mit tadellosem Zustand eingehalten wird. Und dafür sind Sie verantwortlich. Ich werde jetzt persönlich jeder seine Waffe übergeben. Und die jungen Schweizer übernehmen mit ihrem Gewehr Aufgaben und Pflichten seit Generationen. Die Armee verlangt von diesen jungen, von Konsum verwöhnten Anti-Autoritären ausgerechnet widerspruchslosen Gehorsam. Quand on reçoit notre fusil, on n'a pas le temps de penser aux sentiments. Si on n'est pas décidé d'avance d'être pour ou contre. T'as reçu un fusil hier? Ouais. Et ça te fait? Bah, ça fait une grosse pression, quoi. D'avoir ça dans les mains, puis de le manier, apprendre. C'est justement ce que je disais avant, c'est pour apprendre à tuer, quoi. Puis ça me plaît pas. Messieurs, nous avons 4 mois à vivre ensemble, pour le meilleur et pour le pire. Je voudrais une chose, c'est que le travail commandé soit exécuté. Si vous avez compris cela, il n'y a aucun problème. Sinon, rappelez-vous toujours que le chef ici, c'est moi, et vous êtes des recrues. Moi aussi j'ai été recrue, moi aussi j'ai obéi 4 mois. Vous êtes ici pour 4 mois, que ça vous dise ou que ça ne vous dise pas, c'est le même tarif. Vous êtes ici pour devenir des hommes, des soldats. C'est mon boulot et je le ferai. Section Ombrie. Pas. Remettre. Aligner. Quand je dis remettre, on se met d'aligner, c'est que c'est mauvais. C'est pas assez énergique. C'est paf. Ça doit faire un seul homme, même si vous êtes 26. Section Ombrie. Pas. C'est déjà mieux. Encore une fois, cette fois, ça joue. Remettre. Allez, les têtes hein. Vous êtes des hommes au repos. Section Ombrie. Qu'est-ce que c'est si? Ah! Mi-pied! Guidon! 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 À terre! À terre! À terre! Couvre-moi! Détente d'hiver! Caporal, je trouve vraiment! Vous n'avez pas qu'il est là! À vos ordres, caporal! Ah, mais les charge, guidon, diop, détente d'hiver, magasin, mouvement de charge, décharge, détente d'hiver, magasin. Waffe laden, Punkt 1, 2, 3, 4. Waffe ist geladen, gesichert. Waffe entladen, 1, 2. 3, 4, 5, 6. Punkt 7 wäre die vorige Munition zurückspitzen. Retrait des cartouches. 1, contrôle détente d'hiver. 2, enlever le magasin. 3, mouvement de charge. 4, contrôle de l'index. 5, désassuré. 6, départ du coup. 7, réassuré. 8, pactez l'arme. Allez, Lille, tout de suite. Allez, tout doit devenir automatique. Et puis, une fois qu'on a fini le travail, on ne pense plus à rien.
Il faut s'éteindre sur son lit et arrêter de penser. C'est une bonne période pour le cerveau, ça lui fait un repos complet, mais pas pour les muscles. Il faut savoir poser son arme et son œil de façon à ce que j'ai toujours cette vision symétrique de tous les côtés. L'espace entre bord du diop. Vous visez, et puis vous voyez ce que vous donne la visée, n'est-ce pas? Recrue. Zander, vous sentez-vous bien? Non. Alors, changez de position que vous sentez bien. Voilà. L'arme bien épaulée, le corps droit dans le sens du fusil. Le coude gauche ne bouge jamais. C'est une position clé, ça. Vous devez pouvoir épauler votre fusil, remettre votre fusil à l'épaule exactement comme vous l'aviez eu et faire des ports du cou sans viser, vous devez encore tomber dans la cible. Vous êtes pendant quelques secondes, une, deux secondes là, vous pourriez vivre, vous dites après, moi je peux vivre sans respirer. Le coup doit partir à ce moment-là. Trop tôt, c'est pas bon. Et puis après, une fois que les poumons se vident, vous laissez partir là petit à petit, vous ne tenez plus. C'est un mauvais coup, ça donne rien du tout. Assure maintenant. Bien parti, qu'est-ce que c'est comme coup? Tu l'as accompagné jusqu'au bout, tu peux me dire à quelle heure tu l'as lâché? J'ai pris de son. Ouais, à quelle heure? 6 heures. À 6 heures. À 6 heures. Arrête, tu vis trop longtemps, ça ne va pas. Lâche. Et tu prends ton camp d'arrêt avant de viser. N'oublie pas. Prends-le déjà, tu peux me regarder, puis prends ton camp d'arrêt. Ouais, ça c'est bien. C'est bon? Das ist eine bekannte Situation im militärischen Alltag. Oh, verrückt, jetzt fällt mir das Schwiebchen an. So. Es geht einfach nicht. Sogar der Kameramann findet es ein bisschen lang. Ça va tout seul. Caporal, je pars. Stop. Run. Es gibt Rekruten, die Spaß an ihrer Aufgabe empfinden. Doch fast jeder lernt das Gefühl der Angst kennen, wenn er mit Gasmaske und Kampfausrüstung über die Kampfbahn jagt. Drei. Die langweiligen Turnübungen wurden durch den Nahkampf abgelöst. Das ist weniger brutal, als es aussieht. Und auch der Unbeweglichste lernt seine Reflexe zu gebrauchen. Sieben. Kopfschädig. Rolle. Stich! Stelle! Kopfschellig! Rolle! Stich! Stelle! Kopfschellig! Angriff! Stelle! Kopfschellig! Angriff! Stelle! In jeder Kampfsituation geht es um Überraschung und Feuerüberlegenheit.
Handhabung des Sturmgewehrs ist weiterum noch nicht bewältigt. Es fehlt vor allen Dingen an der Wahl der Stellung und am Gefechtsanschlag. Die Ellbogen sind nicht abgestützt. Wenige Sekunden genügen und der Fehler ist behoben. Viel zu oft wird das Sturmgewehr mit der Zweibeinstütze eingesetzt. Ein Meter daneben bietet der Schütze mit aufgelegtem Sturmgewehr ein kleineres Ziel und hat den besseren Anschlag. Noch besser mit getarntem Helm. Anschläge zwar gut, aber Staubentwicklung und helle Körperpartien verraten den Schützen. Merde! Il faut courir et puis se trimballer d'un côté et de l'autre, se changer. Ouais. Et puis avec ce fusil, ce merdier de fusil, de casse, là. Et puis tout ce brun, ce machin, là, la cravate boutonnée, crochet, tout ça. Puis ces caporaux qui gueulent à côté de nous, ça me fout à zéro en tout cas. Et ça a à voir avec l'éducation qu'ils ont reçue avant, ça, dans le cadre familial. Les jeunes qui auront été trop libres sont les plus difficiles à, je dirais, à manier, mais il faut les modeler. Et ceux qui auront une ambiance familiale, je dirais, saine, des parents qui ont su les tenir jusqu'à maintenant, il n'y a pas de problème, normalement.